Jamais t'existes. Si tu t'excites, il blesse, il glisse, si tu vas trop vite. Eh, dans ma vie, tout va beaucoup trop vite. Chaque seconde, c'est une nouvelle pépite. Dis leur poteau, jamais j'évite. Toi, ce que t'es, ce que tu le mérites. Pour le meilleur et pour le pire, quand ça va mieux, quand ça tire. J'ai toujours su en rire, j'ai connu le diable, mais en pire. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Lyon avec mon gars Bex. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va et toi, mon gars? Salut tout le monde. On est là, alors vas-y, je te laisse un petit peu te présenter déjà. Alors, moi, c'est Bex. Je viens de Lyon. Je suis un rappeur. T'as commencé quand et comment le rap, toi? J'ai commencé, c'était il y a 8 piges à la base. J'écrivais des textes à l'école. Ensuite, ça a fait que, tu vois, ça a influencé un peu mon quotidien. Je pensais toujours à écrire, à réécrire. Après, le soir, poser avec les potos, les frérots, tu vois, je lâche 2-3 freestyle. Au début, c'était comme ça. Ensuite, voilà, ils m'ont dit, viens, on va enregistrer ça en studio. T'inquiète, vas-y, il y a un petit truc, tu vois. Ils m'ont chauffé, tu vois. Et après, c'est parti comme ça, on est allé. Ils m'ont pris une séance au studio, je savais pas du tout comment c'était. Là, ça fait nouveau. Mais bon, ça va, j'ai pris quelques bases. Et c'est parti comme ça. Ok, mon gars, alors il y a ton clip, Tac Tac. C'est celui qui a fait le plus de vues. Je te laisse un petit peu en parler et dire peut-être pourquoi il a fait plus de vues que les autres clips. Alors pour l'instant, parce qu'on en a fait que deux. On espère sur les autres de faire beaucoup plus de vues. Le premier, bon, ça a été sur un coup de tête. Tu vois, au feeling, tac, on était posé avec des potes. Et tac, tac, tu vois, j'ai pensé, j'ai dit vas-y, demain on va faire un clip. Ils étaient chauds, on était là, on a organisé tout en quelques heures. Et c'est parti de là, j'ai appelé le poteau Nono. Et on l'a fait sur un coup de tête le lendemain. On a trouvé les plans en se baladant en ville. Tu vois, vraiment, rien n'était pensé. Et je pense que ça a marché pour ça. Ok, ça marche. Puis il y a un clip qui arrive bientôt, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Début octobre. Ok, ça marche. Tu vas faire comment? Ça va être un truc street ou un truc posé? Ça va être un truc mélangé. Un truc préparé par Bex. Un truc sérieux. Avec un peu plus de budget. Et voilà, partagez, arrachez tout. Suivez-moi. Début octobre, on va tout arracher. Et ensuite, il y a une question que je pose souvent aux rappeurs. Est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Un top 3, j'en ai beaucoup en tête. Mais si je dois mettre un top 3, je dirais Tupac en premier. Parce que c'est celui pour moi qui a inventé le rap, tu vois. C'est celui qui était... C'est la street, Thug Life. Ensuite, un rappeur turc, Sagopa Kajmer, que j'apprécie beaucoup. Il a un talent de fou, je pense qu'il est sous-côté. Et en troisième position, un rappeur français, Lacrim. Parce que voilà, il a tout arraché, il est venu, il a tout arraché. Freestyle sur freestyle. Pas besoin de trop d'autotune, il est quand même là. Ouais, tu viens de me parler d'un rappeur turc. Est-ce que tu t'intéresses un peu au rap turc? Autant qu'au rap français, ouais. Ouais, t'as des noms hein, peut-être à nous expliquer, des trucs comme ça? Bien sûr, j'ai... Bon, après, c'est mes cultures, ils vont comprendre là, mais... Gaza Pizim, tout le monde sait. Il est chaud. Ils font des millions et des millions en plus, hein. Ensuite, il y a Sagopa Kajmer, comme je l'ai dit. Il y a Djeza pour les anciens. Après, il y a plusieurs nouveaux, mais tu vois, ils sont en cours de développement, mais ça se voit, ils vont tout niquer aussi. Bien vu, puis dans le rap français, j'ai remarqué, il n'y a pas énormément de culture. T'en dis quoi, toi? J'en dis qu'il faut qu'on soit chaud, qu'on soit là, qu'on soit solidaire. Mais justement, c'est une motivation en plus, en vrai, tu vois. Il faut qu'il y ait une culture qui en amène d'autres, tu vois, par la suite, mais... Qui fouette tout dans le game, tu vois, qui fume le game. Ouais, t'as raison. Et voilà, espérons, il y en aura un au plus vite. Hein. Et il y a déjà MRC hein, qui fait un peu de vue quand même. Et MRC, ouais, il a fait une petite période, pas mal de vues, on était là, on était chaud, mais je sais pas pourquoi, ça a déchauffé un peu, voilà, un peu moins de vues en ce moment. Mais force au frérot, j'espère qu'il va encore tous les autres. Ouais, force, bien sûr. La dernière question que je pose à tout le monde,
Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? La question elle se pose pas. Là, toujours dans le cœur. Galatasaray. Ah, bien vu mon gars. Les 4 étoiles, je connais. T'as des réseaux sociaux, on peut te suivre? Ouais, la famille, mon snap, Bex, officiel. Ben, tous ceux qui vont voir le clip, ils verront à la fin, de toute façon. Il y a le snap dans la description, tout ça. Et sinon, je suis sur Insta aussi, Bex69. Tous ceux qui veulent me suivre, me donner la force, n'hésitez pas, la famille. Ouais, bien vu. En tout cas, merci à toi, mon gars, pour l'interview. Grosse merci force à toi. Et force à toi, surtout. Merci, ça fait plaisir. Puis tous ceux qui regardent, allez checker. On est ensemble, hein. On ciao ensemble, tout le monde. La famille. On est des terres comme jamais. On va le faire, toujours des terres. On va le faire dans la misère. Or qu'on est les faux frères, je tombe pas ma veste. Ma parole est de fer, je mange pas les restes. Moi je te les laisse, je mange pas les restes. Je rêve de gros.